cher Thomas. Autant que je me souvienne, c'est la première lettre que j'écris. Je sais pas si j'en ai écrit d'autres avant mon arrivée dans le labyrinthe. Mais même si c'est pas la première, c'est probablement la dernière. Je veux que tu saches que j'ai pas peur. J'ai pas peur de mourir, en tout cas. J'ai peur d'oublier. De me perdre à cause du virus. C'est ça ma plus grande peur. Alors chaque nuit, je prononce leur nom à haute voix. Albie. Winston. Chuck. Je les répète encore et encore, comme une prière. Et les souvenirs ressurgissent. Ces petits bonheurs, comme ce rayon de soleil qui venait lécher le bloc juste avant que les murs du labyrinthe se referment. C'est aussi les saveurs du ragoût de fry pan. J'aurais jamais cru que tout ça me manque autant. Et je me souviens de toi. Je me souviens de ton premier jour quand t'es remonté de la boîte. Le petit nouveau complètement effrayé qui se rappelait pas son nom. Mais quand tu t'es précipité dans le labyrinthe, j'ai su que je te suivrais n'importe où. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que nous avons tous fait. Si je devais tout recommencer, je referais pareil, sans changer une virgule. Et ce que je te souhaite, Thomas, c'est de te retourner sur ton passé et de pouvoir dire la même chose. Ton avenir est entre tes mains maintenant. Je sais que tu vas t'employer à faire le bien. Comme tu l'as toujours fait. Prends soin des autres pour moi. Et prends soin de toi. Tu mérites d'être heureux. Merci d'avoir été mon ami. Salut mon pote.